Salut tout le monde, c'est Blackfly, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va nickel. Donc aujourd'hui regardez cette magnifique maison. Elle est belle hein, mais on n'est pas là pour ça. On est là pour un peu de redstone. Mais je vais quand même vous la montrer. Donc regardez, donc hop. Elle est jolie hein. Oui elle est belle. Oui tu es belle. Oh mon dieu que tu es jolie. Oh, le mec qui prend le melon. Oh, un trou. Hop. Je vais juste vous montrer. Donc là, il y a une sorte de placard. Là, le bureau. Hop. Là, c'est la salle à manger. Là, je fais une petite cuisine avec. Hop. Qui donne à manger. On n'en a pas besoin. Hop. Le petit lavabo. Hop. Ensuite, on va monter à l'étage. Donc, en notre petit placard. Bibliothèque. La chambre. Voilà, la salle de bain. Je vous montre vite fait parce qu'on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, on va faire de la redstone. Même si je suis pas un très bon redstoneur, je vais quand même vous montrer un petit truc. Et enfin, en haut, la mezzanine avec un fauteuil, une table basse, tout. Alors ça, c'est censé être un billard avec les cannes. Un S. Voilà. Et le lit ben, pour vraiment dormir dans Minecraft. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Hop. Peut-être que quand je serai vraiment bon, cette vidéo. C'est bon, on va remettre quand même un petit pet de jour. Aujourd'hui, on est là pour ça. Donc imaginez, vous êtes là. Vous là, vous. Hop, vous allez là. Et les gens vont croire que vous allez vous enchanter. Bon, il y a. Ah, bon, bras. Pas. Bon, pardon. On va dire que vous avez rien vu. Oh, bon, il y a deux tables, mais c'est pas grave. Hein. Et là, en fait, c'est votre passage secret. Parce que là, hop là, vous pouvez passer. Parce qu'il y a en fait un bouton ici. Hop là, vous fermez et vous repartez. Oh là 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 là. Là, vous déposez tout dans vos coffres. Par exemple, peut-être une Sharpness 5. Mais on en dira. D'ailleurs, je mange en français. Bon. Et donc là, vous pouvez hop, repasser. Bon, vous n'êtes pas obligé de voler. Et trouver. Et refermer. Alors, c'est quel. Alors, on va tout de suite voir ce système qui est juste là. Donc, pas très compliqué du tout. Il vous faudra juste un petit peu de place là. Hop, on va aller le voir plus en détail ici. Alors, on va essayer de le reproduire là. Plus loin, donc, qui vous. Donc, vous placez trois blocs. Vous n'êtes pas obligé de faire avec des tables comme ça. Hein. Vous pouvez faire avec autre chose. Hop, du coup, là, il va y avoir le. Les. Pistons. Pas besoin. On met une torche, on remet un bloc. Donc ça c'est juste les pistons qui quand hop, on enlève la torche, ça va juste rétracter ça. Sauf que nous, vous avez bien vu, il faut que ça rétracte beaucoup plus, d'un cran de plus. Et donc pour ça, on va remettre une alignée de pistons derrière. Hop, donc on met comme ça. On remet comme ça. Hop. On va reposer des pistons. Refaire la même chose. Hop, remettre un bloc dessus pour que ça passe dans les deux. Et ce qu'il va faire, c'est qu'après on va poser tout ce qui est repeater et tout ça. Pour que, en gros, ça nous donne celui-là se rétracte. Et après celui-là se rétracte. Bon, là ça n'a pas marché parce qu'il faut. Il faut tout ce qui est repeater. Mais le but, ça va être que celui-là se rétracte. Et que après seulement celui-là rétracte les deux. Parce que sinon ça ne marchera pas. Parce que si celui-là rétracte en même temps que celui-là, bah ça marchera pas. Parce que lui va se bloquer et il pourra pas se rétracter tant que. Bah il aura sera, tant, il pourra pas se rétracter celui-là tant que celui-là ne sera pas rétracté. Bon, je sais pas si c'est très bien expliqué, mais c'est pas grave. Oh non, mais je crois que j'ai encore fait trop près. Bon, attendez. On va le faire plus
plus loin. Donc comme ça, bah, je vous remonte vite fait. Hop, on remet nos trucs. Hop, du coup, on place un bloc, un autre bloc. On casse celui-là. On met une torche. On met bloc. Hop. Donc vous mettez deux pistons comme ça. Vous mettez un bloc par-dessus pour envoyer le jus. Vous mettez... Ok, c'est pas ce que je voulais faire. Encore deux pistons à un des quarts là. Vous remettez une torche. Et un bloc par-dessus. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir faire tout ce qui est délai. Du coup, on va prendre les repeaters. Donc vous allez placer un repeater là. À 4 ticks. Un autre ici. À 2 ticks. C'est bien ça. Ouais, 2 ticks. Après, un tick, 2 ticks. Voilà. Ensuite, vous en mettez un autre. Donc à 1 tick. Vous posez un bloc. Vous mettez un autre repeater à 2 ticks. Il me semble que c'est ça. Hein. Ouais, à 2 ticks. Une fois que c'est fait, vous allez poser un. Vous allez faire ça là. Poser un bloc. Encore un autre. Là, là. Casser celui-là. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez poser de la redstone comme ceci. Là, ici. Comme ça. Et là, vous allez faire une sorte de petit mur. Comme ça. Non merde, j'ai fait trop loin. Attendez, c'est pas bon. Hop, un petit mur comme ça ici. Hop, hop. Hop, hop. Voilà. Et en gros, ça donne ça. Repeater, hop, bloc, tac, et mur. Une fois que vous avez fait ça, normalement, si on pose une torche ici, ça n'a pas fonctionné. Ah. What? Alors attendez, j'ai dû me planter dans les tics quelque part. Parce qu'ici, quand je le fais, ça marche. Ah, j'ai enlevé ce bloc. Non. Est-ce que c'est ce bloc qui a changé tout l'avenir? Non mais... Ah, j'ai tout cassé! Voilà, hop. Alors attendez, parce que... Ça fait... Hop. Deux tics. Tu poses un bloc. Ah si, je sais pourquoi, c'est bon. Et oui, hop, hop, hop. Parce que j'oublie de vous dire, mais ici, c'est vrai. Sous ce bloc, il va falloir vous poser un piston et vous remettez le bloc. Non mais normalement dans mes souvenirs c'est ça. Voilà. Et normalement ça devrait mieux marcher. On va essayer. Nickel. Bon, l'inconvénient c'est que j'ai oublié de remettre un bloc là. Voilà. Et voilà. Donc là vous avez le passage. Mais bon, c'est pas vraiment très sûr d'aller mettre une torche. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ici, hop, poser, après poser les blocs et tout, avec un boutal. Ou plutôt un boutal. Oui, bien. Donc, pas grand chose à... Pas grand chose à changer. Il va juste falloir mettre un bloc ici, un bloc là. Donc, attendez, je vais essayer de le refaire de tête. Parce que je n'ai pas une très bonne mémoire. Alors... Il me semble que c'est ça. Hop, vous mettez l'entonnoir. Non. J'ai raté mes entonnoirs. Je sais plus comment on les place. Je suis fort. Oh là là. Pourquoi il veut plus les placer? Alors attendez. Ah oui, il faut poser le bloc. Donc ça, hop, deux torches. Hop. Vous mettez deux torches. Vous mettez le bloc de l'avenir.
fais pas vraiment le bloc de l'avenir. Hop. Hop. Mais non, mais... Ah, je crois que c'est bon. Voilà. Oula, ça m'a fait lag, ça me fait lag ça. Ah. Donc, en gros, vous faites ça. Vous remettez celui-là. Hop, vous recassez ça. Et vous remettez celui-là. Et comme ça, les deux en bas sont reliés là. Et tout est nickel. Et du coup, après, normalement, il ne reste plus qu'à placer le boutal. Je sais plus, il est là, je crois, le bouton. Hop, de la redstone ici. Est-ce que ça marche? Non, j'ai oublié quoi? Voilà. Ah, mais j'ai pas mis les torches, si. Si, deux torches, redstone, hopper. Mystère. Qu'est-ce que j'ai raté? J'ai pas mis au bon endroit le bouton. Si, j'ai mis au bon endroit le bouton. Route. Ah voilà, c'est ça que j'oubliais. Alors oui, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ça. Ah oui, donc il va oui, c'est ma faute, j'ai oublié ça. Donc une fois que vous avez fait ça, vous placez votre comparateur, voilà, comme ça, il pointe vers là, vous mettez là, hop. Vous mettez une petite redstone. Et là, normalement, ça devrait être bon. Mais what? Pourquoi ça marche pas? Mais ils se foutent de ma gueule? Ils se foutent de mon gueule? C'est quoi le délire? Putain. Oui. Ça, ça, ça. Mais pourquoi ça marche pas? Là je comprends pas. Je comprends pas. Hop, là. Ah si, je sais ce que j'oubliais. L'hopper. Excusez-moi parce que bon, je suis pas très bon en redstone. Donc, et après vous posez un bloc dans ce hopper. Voilà, voilà. Et là, c'est bon. Hop. Vous rappuyez. Voilà. Donc là, vous n'avez plus qu'à ensuite à rappuyer là. Voilà. On a réussi. Oui. Oui, j'ai oublié certains trucs. Parce que je suis pas très bon redstoneur. Et maintenant, en fait, que vous avez fait ça. Pour que ce soit vraiment indétectable. Stone. Hop. On va utiliser les escaliers. Hop, après vous faites une déco vite fait bien fait. Donc là vous posez des blocs. Oui. Et ensuite vous allez poser des blocs. Un escalier. Non, il est pas assez haut. Il faut qu'il soit à la hauteur de la table de craft, c'est ça. Hop, donc vous le relevez encore de 1. Vous posez un escalier. Et la particularité d'un escalier, c'est qu'il n'est pas considéré comme un bloc. Parce que regardez, un bloc ici, hop, on voit les contours là, un petit trait noir, le contour, regardez, hop.
Bon, là, sur la table de craft, on voit pas. Lui, on voit bien le contour. Voilà. Alors, sur l'escalier, ça va faire un contour. Là aussi. Ça fait le contour. Mais pas quand vous passez dans cette zone. Regardez. Hop. Vous pouvez atteindre le bouton ici. Et du coup, si vous placez ensuite un escalier comme ça, hop. Vous arrivez comme ça. Là, vous avez juste à trouver le bouton. Hop. Et vous pouvez passer. Et du coup, c'est beaucoup, beaucoup plus pratique. Là, hop, vous arrivez. Hop, vous êtes comme ça. Vous faites style d'avoir une table d'enchant comme j'ai fait moi là-bas. Que j'ai vite fait aménager. Hop, vous vous ramenez comme ça là. Tac. Tac. Vous ramenez, vous faites. Hop. Là, vous n'avez plus qu'à passer. Et ensuite, moi, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai creusé. Non, j'ai pas fait ça, j'ai fait ça. J'ai mis des escaliers. Hop. Oula, mon jeu crache un petit peu. Et là, on peut toujours pas l'atteindre. Du coup, on recreuse. Hein, on remet l'escalier. Et on le met comme ça. Et du coup, là, depuis là, on peut. Ah oui, non, il faut casser ce bloc. Et là, hop, vous pouvez atteindre ici. Et ça marchera toujours. Comme ça, vous pouvez l'ouvrir depuis l'intérieur. Parce que sinon, si vous arrivez que vous la clouez, vous passez et après, il faudra le laisser ouvert et tout. C'est pas pratique du tout. Du coup, hop, là, on remet un petit escalator. Hop. Comme ça. Non. Non, j'ai foiré. Hop. Voilà, faut pas mettre d'escalier là. Comme ça, vous pouvez refermer. Vous rouvrez. Vous passez chez vous. Et vous refermez. Si vous trouvez l'endroit. Donc voilà, donc en soi, le passage, le système est pas trop compliqué. Faites gaffe, mettez bien le contour là. Bah, si vous mettez pas ça, moi au début je crois que ça servait à rien. Et du coup, bah, ça marchait pas. Parce que regardez, si j'enlève ça, ici, il me faut une torche. Hop, regardez, ça ne va pas marcher. Vous voyez, il ne prend pas ce bloc. Du coup, pensez bien à vraiment mettre, bah, hop, même si vous mettez normalement juste, hop, comme ça, normalement ça marche. Voilà, vous n'avez pas besoin de faire un grand mur. Faites au moins un petit truc parce que sinon ça marchera pas. Et ah oui, bah faites pas comme moi aussi pour là, parce que vu que c'était derrière, j'avais pas vu. Mettez bien le comparateur, pointez son nez vers là. Une redstone pour relier les deux. Et n'oubliez surtout pas de mettre, oula, le bloc dans ce hopper. Je l'ai mis dans celui-là. Ah non, non, je sais pas. Je sais pas si ça fait quelque chose. Je crois que là j'avais pas mis dans celui-là. Je crois que j'ai mis là. Ouais, j'ai mis dans celui-là. Et voilà, et là-bas j'ai mis dans l'autre. Bon, je crois que du coup. Ouais, ça change rien. Du coup, voilà. Donc, un petit passage qui peut être très utile. Il prend, vous voyez, il prend pas énorme de place. Vous aurez besoin de. Ah! Excusez-moi, j'ai des gros freeze là. Je sais pas ce qui se passe. Mais donc vous aurez besoin de 2, 3, 4, 5. 5, 6. 6 blocs de large. 6 blocs de large et en hauteur, vous aurez besoin de ben, 1, 2, 3. Voilà, vous aurez besoin que de 3 en hauteur. 6 sur 3 de haut. Franchement, ça passe. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est plutôt de le faire en bas, dans une cave. Vous creusez dans le mur, vous faites tout le système dans le mur. Bah, si vous le faites en hauteur, après il faudra recouvrir et du coup bah ce sera plus moins caché parce qu'ils verront un grand truc entouré. Hein. Ils vont se dire qu'est-ce qu'il cache? Du coup alors que si vous êtes en dessous, hein, ils prennent c'est juste le mur. Donc voilà, donc c'est un conseil. Comme ça, vous faites juste votre table d'enchant au sous-sol, vous faites ça, et comme ça passe crème. Du coup, voilà. Du coup, moi, regarde-moi ce coucher de soleil, je vais vous laisser sur ça, non?
Du coup, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, bye bye tout le monde!